Le studio Hardcourt fut créé par une femme, Cosette Hardcourt, de son vrai nom Germaine Hirscherfeld, en 1934 dans le 8e arrondissement de Paris. Devenue iconique puisque les plus grandes stars d'antan et de maintenant sont passées devant l'objectif de plusieurs photographes se succédant, adoptant le style Hardcourt, oui. On parle là bien d'un style, puisque extrêmement reconnaissable dans le milieu de la photo et donc de la plupart des passionnés et des professionnels de la photographie. De par son esthétique et son intention de rester dans le noir et blanc classique, mais aussi particulièrement glamour. Des portraits à la lumière travaillée au cordeau, qui subliment parfaitement les visages immortalisés des personnalités du cinéma notamment, mais aussi bien sûr divers hommes et femmes importants comme des politiques et autres personnages plus ou moins connus. Le studio Hardcourt accueille évidemment toutes les personnes qui souhaitent avoir son portrait, souvent imité mais jamais vraiment égalé. Le style Hardcourt reste à ce jour un pilier en termes de technique et de référence. Le studio s'est imposé comme une signature incontournable dans le milieu photographique français. On va maintenant parler d'un de ses photographes les plus connus et qui a contribué pour ce studio et avec ce studio, travailler au sein de ce studio Hardcourt, Pierre-Anthony Allard. Qui est-il? On va le savoir maintenant. Pierre-Anthony Allard est né à Chicago en 1960. Il est photographe portraitiste et a longtemps travaillé au sein du célèbre studio Hardcourt. Il a commencé sa carrière en 1983 en tant qu'informaticien et est très vite passé du côté laborantin. Alors quand je dis laborantin, c'est pas en chimie évidemment, c'est en photographie. Il sait se faire remarquer et devient l'assistant de Thierry Bouet, qui à l'époque supervise le studio et tous ses shootings. Il monte facilement les échelons jusqu'à devenir directeur artistique, puis enfin associé en 1985. Puis il quitte le studio la même année, mais le réintègre 2 ans plus tard alors qu'il possède son propre studio sur Paris. C'est en 1992 qu'il décide de racheter la marque Hardcourt avec 2 amis photographes. On garde de lui le sublime portrait de Carole Bouquet en 1995, puis ensuite celui de Laetitia Casta en 2005. Il quittera encore le studio. Il y reviendra une fois de plus en 2008. Jusqu'à 2016, il photographiera des personnalités plutôt politiques. Aujourd'hui, Pierre-Anthony Allard continue à perpétuer sa passion pour la photo à travers diverses conférences et formations, sur la lumière surtout, et possède évidemment toujours son studio à Paris où il est très souvent exposé. Alors, comme d'habitude, on va finir cette courte vidéo sur les photos que j'aime de l'artiste, si bien du temps d'Hardcourt comme celle qu'il aura faite sous sa propre signature.